Ouais, du coup on fait les boîtes. Tu les fais tourner, ok? Il les fait tourner où? Je sais pas, tu le dis. Ah ça, si, je sais comment les tourner. Je sais comment faire tourner. Je sais pas par contre ce qu'il veut me faire en face. Moi j'ai pas un taser, donc s'il m'attaque, je m'en bats les couilles. Puis... faut juste pas finir la vague. Mais putain, que la merde. Fais gaffe, y'en a un qui vient vers toi. Y'en a un qui vient vers toi. Ouais. J'ai des singes. Je crois que c'est les derniers, les gros. Oh, il y avait l'historique de la boîte, je crois. Galil. Mais... c'est le dernier? Non, c'est pas le dernier. Je peux le tuer ou pas? Vas-y, tu le tues. Oh, Ivan! C'est bon? Ça y est. Ouais, mais on n'a pas d'arme explosive. Faut continuer jusqu'à ce qu'on ait une arme explosive, mec. Juste une chacun ou une... Putain, j'ai encore des singes. Ah mais oui, je suis con. C'est IEM ou singe. Ouais, faut qu'on ait une arme explosive t'as chacun, genre un monstre 4. Singe avec IEM. Non, non. Tu l'as pas. Ah vous, tu m'aurais insulté. Un petit peu, fais gaffe. Un petit peu. C'est quoi ça? C'est un pistolet laser? C'est un pistolet laser. Allez. Allez, pourquoi pas, hein. Non, vas-y, tout. Vas-y, par contre, j'aimerais bien que tu le fasses tourner, parce qu'il me casse un peu. J'aimerais bien qu'il me suive, en fait. Eh, venez. Venez voir papa. Alors, fais un petit saut aussi, voilà. Putain, mec, il me reste 4000, je vais devoir encore aller chercher les points dans la banque. C'est pas possible, quoi. Il nous faut, je sais pas combien de points pour avoir un vieux lance-roquette de il mort. Il n'en reste plus qu'un, mais gros. L'autre, il est mort. Même une machine de guerre. Ah non, on peut faire ça avec une machine de guerre, mais qu'on l'améliore et c'est bon. Oh, mec, il me reste 3150 points. Ouais, la botte, elle va changer, t'imagines? Voilà, elle va changer, et puis... Ouais. Allez. Un peu de chance, s'il vous plaît. Un peu de chance. Galil. Mais tu sais que... enfin, genre, c'est vraiment con, mais je crois que c'est l'easter egg qui nous baise, en fait. Genre, il y a l'easter egg du nounours, et il est censé faire que t'as des meilleures armes dans la boîte. Et pas des armes de merde. Et vu que les armes qu'on veut, c'est de la merde... bah, on a moins de chances de les avoir. C'est un peu con, mais non, je crois que c'est ça. C'est un peu bizarre de dire ça, moins de chances de les avoir. Bah ouais. Enfin, tu me diras, là, j'ai un couteau balistique et c'est de la merde aussi, donc... je sais pas, je comprends pas trop. En tout cas, c'est ma dernière boîte magique, donc là... allez, nounours. Vas-y, nounours. C'est quoi ce jeu? Vas-y, mais on se casse. Et surtout, faudrait garder les zombies en vue, sinon ils vont mourir. Tu sais, si tu t'écartes trop des zombies et que tu les as plus en vue, ils meurent. Le comble. Quoi? Putain, j'ai arrêté de se trouver dans le trou. J'achète pierre tombale ou pas? Non, j'ai pas assez. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait des pièces que j'ai récupérées là? On les met où? Je crois que tu ferais bien d'acheter les pierres tombales. De toute façon, moi j'ai... vas-y, on descend. Ah mais merde, faut qu'on prenne le bus. Bon. Yes. Oui, je l'ai. Oh non. Allez, stamina. Non, je l'ai pas. C'est pas grave. On va à la ville. Il nous faut des points. Et en même temps, je vais... ah, tu sais quoi? En même temps, on va prendre la pièce du jet gun. Ah oui, moi, j'en ai déjà une, mais toi, tu l'as prends. Mais t'as laquelle? Ah oui, tu l'as pas posée. J'aurais dû le poser, mec. Mais justement, je t'ai posé la question, j'en fais quoi? Tu m'as dit, tu m'as rien dit. Ah, j'ai pas entendu. Là, l'autre caisse, elle était là. Donc, elle est juste à côté de la ville. Donc, ça va pas trop durer. La dernière, elle est dans le champ de maïs au fond. C'est dans la ville. Putain, ça fait plus d'une demi-heure qu'on y est. Ouais. On galère alors qu'il y a genre trois pauvres étapes, tu sais. T'es où? J'arrive. Fais gaffe, y'a un zombie. C'est pas où, mais y'a un zombie. Ok. Et là, j'ai plus de points dans la banque. Faudrait que j'achète d'autres atouts aussi. Vas-y, je prends les zombies. Ouais, tu veux les... T'as posé ta pièce? Attends, elle est où? C'est où ça? Là-bas? C'est dans le bar.
collet. Et après, viens prendre les zombies. Vas-y, viens prendre les zombies que je puisse aller dans la banque. Ah, je vais les amener là-bas. Mais y'a... je crois qu'il y en a un qui reste. Ah, il t'a pas suivi, attends. Ils m'ont pas suivi, je vais là. C'est bon ? Attends. Ouais, c'est bon. Vas-y. Ah, t'as encore plein de tubes. Mec, si j'ai pas assez, je vais perdre un câble si j'ai pas les armes violence roquettes. Attends, elle est où la boîte? Tu la vois la lumière là-bas? Elle est là. Là-bas, oh, elle est juste à côté. Elle est au diner. On y va à patte là? Faut y aller à patte? Ouais, vas-y, on y va à patte. Parce que si on prend le bus, il va mourir. C'est pédé là. Oh non! Vas-y, oh l'enculé! Non, mec, meurs pas. Avec Masto, tu le fais tranquille. Ah, t'es pas passé du coup? C'est bon, je passe. Merde, y'a le bus qui va nous écraser, par contre. Mec, le bus. Oh putain, mais. Écarte-toi, y'a le bus qui arrive. Vite, sors du pont. Je sais pas où m'écarter. Vite. Ah, va à la sortie du pont. Il arrive, le feu. C'est bon, je suis sorti. Je le vois, c'est pas. C'est où, Néro? Cours. Je suis là. Toi, t'es où? T'es devant moi, en fait. écarte-toi juste de la route, parce que tu vas te faire écraser comme une merde. C'est bon, j'y suis. C'est bon, j'y suis, Néro. Ah, putain, c'est le dernier zombie. Ils sont morts, les autres. Ah non, c'est bon, j'en vois deux. Je fais des boîtes, Néro. Pourquoi il crie, alors? Oh, c'est bon, j'ai le lance-roquette. Nice. Allez, okay. Troisième fois que j'ai le barrette. Apprends-les pour aller plus vite, hein. Tu veux que je fasse. Non, mais mec, j'ai HAMR pistolet laser, je peux prendre ma barrette. Zombie, pas exagéré. Zombie. Ici, viens ici. Il y en a un autre de zombie. Vas-y, au calme. Par contre, le bus, je sais pas où il est. Merde, il arrive le bus, écarte-les. Allez. Ouf, ça passe. Putain de secret du mort. Ah, je l'ai. Nice. Ok, là on est paré là. Maintenant on fabrique le. Il nous faut les deux dernières pièces du jet gun. Donc elles sont dans le champ de maïs et à la cabane du bûcheron. On y va là. Qu'est-ce qu'on. Attends, il y en a un qui court, il faudrait qu'on le nique. Enfin, il court. Non, surtout pas. Ok, je sais ce qu'on va faire. Viens, on monte dans le bus. Et ah, tu sais, on fait le truc où on ferme. Ouais, on les tient à la fenêtre à l'infini. Ah non, par contre, s'ils rentrent. Oh non, mec, s'ils rentrent, c'est la merde. Bah attends, on sort, tu le passes, sort. Ouais, mais il réagit pas. Là, le bus, il part. Hein. Attends, vas-y, avance, le temps qu'il sort. Vas-y. Ouais, c'est bon. Là, on va rentrer, mec. Ouais, vas-y, va en premier. T'es rentré? Ouais, c'est bon. Nice. C'est bon, il grimpe pas. Il est où l'autre? Bon, il a une fenêtre? Ouais, c'est bon, il a une fenêtre. Ah, parfait. Si t'as mastodonte, c'est bon, ils peuvent pas te tuer. Hein. Tu peux rester là autant que tu veux. Ok, donc là, au diner, on s'arrête et t'achètes le pontizer. Et moi, je vais acheter les tours de passe-passe. Et après, on va chercher la pièce à la ferme, enfin au truc de maïs. Mais ça se trouve, je me suis fait chier pour rien et ça marche avec le. Ça se trouve, ça marche avec le laser. Hein. J'étais pas obligé d'avoir le lance-roquette. Hein. Mais bon, je suis pas sûr. Autant. Ouais, voilà. Le mieux, ce serait de réussir à améliorer le lance-roquette. Mais tu sais, vas-y, tu sais quoi, on va essayer. Non. Puisqu'on va passer par les deux arrêts qu'il faut. On va essayer d'améliorer nos lance-roquettes, et là on serait trop bien. Parce que le passage des lance-roquettes, il est chaud. Hein. Et encore, je crois que t'as pas de bestiole quand t'es sous la tête. On sort. Donc voilà, donc vas-y. Maintenant. T'achètes passe-passe et t'achètes le pointizer. Et tu fais gaffe aux zombies. On peut y accéder ou quoi? T'as mis la trappe? Ah ouais, ouais, c'est bon. Merde, c'est moi qui me fais un kiblo. Non, c'est bon. Ok, c'est bon.
pas qu'il est. Vas-y, on prend le bus, on se casse. T'as quoi comme deuxième arme? La chicom. Okay. Il y a un lance-roquette. J'espère juste qu'il n'y a pas les bestioles sous la tour de Babel, mais je crois pas. Hein? Ils sont où? Attendez un peu. Mec, ils sont où les zombies? Ils sont là. Et le deuxième, il est où? Je sais pas. Putain, tous les coups, il est monté. Ou alors, il est mort. Très fort possible. Prendre ce qui. J'ai l'impression qu'il y en a un qui court derrière. Ouais. Ah ouais, il est. Ok. Ok, on va peut-être réussir à le faire finalement. Oh, putain, on avait mal commencé. Hein. C'était mal parti. Faut juste pas qu'on lance la septième vague, c'est con. Bah, le truc chaud, ça va être sous la tour de Babel. Parce que là, on va être obligé de lancer les vagues, on va devoir tuer des zombies. Au lance-roquette. C'est pour ça qu'il faut rester dans les basses vagues. Parce que là, vague 7, au lance-roquette, on va galérer. Hein. Donc là, faut vraiment qu'on essaye de l'améliorer. Mais je pense qu'on peut le faire. Ouais, faut les démembrer. Là, il y a double coup. Viens, on prend double coup. Bah ouais, mais moi j'ai déjà ripé, j'ai déjà masso et j'ai déjà couru. Et il y a pas de place. C'est pas grave, tu comprends. C'est pas essentiel. Ah, si tu mets double coup, ça fait double roquette ou quoi? Non, mais elles font deux fois plus mal les roquettes. Et elles tirent plus. Non, je crois qu'elles font deux fois plus mal les roquettes. Passe ça fait pas mal avec le lance. Vas-y, viens au bus, hein, on se casse. Tu l'as pas pris, passe-passe? Si, c'est bon, t'inquiète, je l'ai. Vas-y, faut espérer qu'il monte. C'est bon, il reste en fenêtre. Cherche où est le deuxième par contre. Merde, il monte par l'avant. Ah non, par contre, là c'est vraiment la merde. Tu veux le tuer? On le tue, hein? Non, on le tue pas. Il a pas besoin. Occupe-le au fond du bus. Occupe-le au fond du bus. Ouais. Il veut pas. Mais tu lui demandes poliment, wesh. C'est quoi? Je peux lui demander poliment, il va pas venir. Regarde, il fait. Mais putain, mais reste à côté de lui. Colle-toi à lui. Il veut pas. Il est fou, il veut pas. L'autre il va rentrer. Je sais pas si on peut en paquer deux dans le bus, c'est compliqué. Hein. C'est bon. Répare. Monsieur. Monsieur, asseyez-vous. Gardez votre calme. Monsieur, je sais pas qui c'est. Bon, on est bientôt arrivé là. L9 va être votre ami. Vas-y, c'est bon. C'est bon, on est sorti. Non, mais je veux dire. Ah, c'est bon, genre je l'ai tenu. Oh, je prends trop de baffes. Monsieur, arrêtez. C'est bon, descends. Ouais, donc là on pose les turbines. Attention, il court. Hein. On pose la turbine et on court. Non, il va pas le taper. Viens. Non. Vite, cours. Et là on se fonce jusqu'à la ville. En plus, elles sont toutes neuves parce qu'on les a pas utilisées. Allez, go. Ouais, grave. Go. Ah, tu vas avoir 7 ans pour l'améliorer, mec. Si. Moi... Ah, t'as pas de point dans la banque, toi. Ah, mais non! Mais tu l'améliores, oh là. Vite, prends l'échelle. Allez. Montez, ferme. Ok, on devrait être bon là. On devrait être bon, putain. On a quasiment à 50 minutes de vidéo, c'est chaud. C'est vrai? Ouais. En même temps, à 2, c'est beaucoup plus dur. Hein. Au pire, tu fais deux parties. Hein. Ouais, au pire. A 4 ça doit être easy, mais. Est-ce qu'on va réussir? Peut-être. Ouais. On va réussir, mec. Je le sens, mec, on va réussir. De toute façon, si on fail, on upload. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas upload sur Dairez quand on l'avait fail. Je croyais que je l'avais upload, mais je me suis rendu compte que non, en fait. Faudrait qu'on réessaye Dairez. Ok. Allez! Mec, on a zappé un truc. On a oublié de descendre pour aller chercher la pièce du Gen Gun en fait.
Je t'ai demandé tout à l'heure, mais je croyais que tu l'avais fait en fait. Je suis trop con. Non, c'est pas grave. Bon, tu sais quoi, on va le faire à pied, c'est pas grave. En fait, tu vas tout seul. Voilà, je mérite là, franchement, je mérite. Vas-y, on descend aussi. On fonce. Non, normalement, ça va être bien. Ah non, ça va être bien. Go. Putain, c'est bon, mec. Vite. Maintenant, tu cherches les pièces. Et surtout, tu fais gaffe aux zombies, parce qu'on va se faire très vite bloquer. Non, mais de toute façon, quoi, ouais. Ah, c'est bon, une fois qu'on est dedans, de toute façon, on peut plus se faire jarter. Ah, oh, nice. Il y a une pièce ici. Vas-y, prends-la. Bah, je sais pas si c'est ça. Toutes les pièces qui sont là, c'est pour le pack à punch. Vas-y, j'occupe les zombies, tu fabriques. Ok. Par contre, c'est chiant que t'aies pas assez de points pour améliorer. T'es sûr que t'as plus rien dans la banque? Ah ouais, j'ai regardé. Y'a pas d'autres pièces? Cherche, j'en ai hein. J'en ai une, là. Voilà. Pourquoi je peux plus? Ah, oh, c'est pas la bonne. Hey, y a une pièce qui... Ah bah c'est bon, hein, le pack à punch, j'ai fait. Vas-y, viens prendre les zombies. Par contre, et fais gaffe à pas te faire bloquer. Je sais pas ce que c'est en fait. Mais ça doit être celle que t'as. Non, c'est une pièce de. C'est une batterie, mais je sais pas quoi faire. Te fais pas bloquer par contre, hein, parce que tu te fais vite bloquer dans le couloir. Donc fais gaffe. Par contre, j'espère qu'il démembre quand même le lance qui est amélioré, mais je pense. Ça va vite. Elle est où ta pièce? Elle est où la batterie? Bah, je l'ai avec moi. Ça ressemble à quoi? Oula. Vas-y, on sort. Une batterie de voiture? Genre une batterie pour faire de la musique? Une batterie de voiture. Je suis drôle, hein? Allez! Allez, viens, on y va. Non, on y va à pied, Ouais, on va peut-être les couper en deux parties. Limite en trois parties, parce que. Bah moi j'aurais bien laissé un 1, mais les abonnés ils demandent vraiment que ça quoi, ils disent pourquoi. Enfin, au final c'est juste psychologique, c'est juste que quand tu vois sur la miniature vidéo d'une heure, t'as pas le courage de la regarder. Alors que si t'as 3 parties de 20 minutes, tu la regardes. C'est juste psychologique, mais... Ouais. Tu leur mets des coups de latte avec le truc là. Mec c'est là, viens. Ça t'es où? C'est où? Là. C'est ça. Non, c'est pas ça. Ah bah, non, c'est bon, on en a pas. Faut faire vite, parce qu'on va se faire bloquer par les bisons. Cherche, il y a une petite pièce. Quelque part. Putain, pourquoi je suis bloqué? Oh mec! J'ai cru qu'on essayait de faire bloquer les propres. Ah, y'avait un truc par terre qui m'a bloqué, j'ai pas compris. Ouais, c'est un lit. Elle est dans la maison, obligatoire? Bah ouais, logiquement ouais. Mais là, ah c'est bon, je l'ai. Tu l'as? Ouais, oui. C'est quoi? Jamais où? C'est pour le jet gun. Oui, je sais. Vas-y, on va se faire bloquer. On va où? C'est un petit compteur, c'est ça? Avec une aiguille. Ouais, exactement. Ok, nickel. Vas-y, viens, suis-moi, maintenant on va chercher la dernière. On va le faire, mon petit valet, on va le faire. Easy, on va le faire. Easy. Par contre là il va falloir faire le gros champ de l'avant je crois. Donc faut pas faire les cons. Le plus dur c'est la manche quoi je crois. Et quand on sera sous la tour le plus dur. Tu sais quoi la lave on va y aller un par un comme ça au cas où. Putain il court. C'est le dernier. Fait il chier. Je crois bien ouais. Vu qu'on est loin d'eux en fait ils meurent. Mais on va pas non plus rester pour leur tenir la main quoi. Donc c'est chiant. T'es où? Je suis arrivé. Je suis à l'électricité. C'est bon, t'es là? Vas-y, je sens que la manche, elle va se passer là. Putain, il est derrière toi, il court. Mec, il court à fond le zombie. Bouge-toi le cul, mec. Il court plus que nous. T'es parti où? À droite ou à gauche? Tout droit. Je suis où? Je suis parti. T'es où, Négro? Tu fais demi-tour? T'as fait demi-tour? C'est bon, go. Putain, heureusement qu'on a pas un taser en plus. Ouais, j'avoue qu'on a heureusement qu'on a pas un taser, bon, il nous aura démonté le zombie. Franchement, là on aurait pu se téléporter. Hein. Ah, attends, il y a un zombie. Il y a deux zombies là.
ouais, y en a un, je crois, y en a un. Ah, c'est bon, on y est, mec. Et voilà, l'étape finale, c'est aller sous ce truc-là. Et le labyrinthe, par contre, je le connais pas. Hein. Donc, faudra se démerder. Faudra se démerder pour trouver le bon endroit. On va rester ensemble. C'est pour ça qu'il nous faut le Panthéiser aussi. Parce que au cut, les petites bêtes, tu galères. Vas-y, viens, viens. Elle est là, la dernière pièce. Pourquoi là, il y a du machin qui spawn ? Des zombies ? Ouais. Bah, ils ont du despawn. Vas-y, viens, viens, calme-moi. Ne lâche pas, parce que là, il y a un tout petit chemin. Là, tu le vois ? Bouge. Là. Et je te présente... Kinoder Totem, non, Nashderen Totem, ah ouais, map 2, World at War, toute première map du mode zombie. Vas-y, on sort, c'est là. C'est sympa ça d'avoir. T'avais jamais vu là? J'avais jamais vu, non mais j'ai rien fait. J'ai jamais fuck, fait. Je suis bloqué. J'ai tué le dernier zombie. C'est où, toi, allez. Oh, MJ, c'était pas le dernier zombie. Fais gaffe, t'as un zombie sur toi. C'est t'as le dernier zombie sur toi, tu te fais pas bloquer, mec. Viens, non, tiens dans mon sens, viens là. Viens, négro. Et c'est le dernier zombie là, si on le tue. On vient vers la droite là. Vas-y, on se téléporte. Téléporte, hein, t'es marrant toi. Non, c'est une connerie en fait. Vas-y, viens, on y va à pied. On est à pied, ça va être beaucoup mieux. Ouais. Ok, on s'approche de la fin. On va le faire, mais bon, on va le faire. Ouais, j'avoue, heureusement qu'on a pris le... Ouais. Ok, là, faut surtout pas se perdre. Oh, le sale bête. Merde. Ok. Vas-y, on arrive à l'électricité, là. Je suis vénère le zombie. En même temps, ça fait 3 ans qu'il court, fais gaffe, il y a le. Ouais, vas-y, viens. Faut pas juste faire gaffe à ce qu'il nous écrase pas, lui. Donc, de temps en temps, regarde derrière toi pour, si tu vois s'écrase ou pas. On va le faire. J'ai juste peur d'un truc, c'est que genre, on foire une étape. Genre, je foire l'étape du J-Gun, du Jet Gun, ou alors le plus dur ce sera de faire l'étape des IUM. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, mais je te dis, je connais pas du tout comment faire ça. Genre, tu vois les poteaux pour se téléporter. Ouais. Tu dois créer le portail pour te téléporter et tu dois en éteindre 4 en même temps. Donc, tu dois lancer. Ouais, en même temps. Donc, tu dois lancer ta grenade IUM. Avant que ta grenade elle explose, tu dois sauter dans le téléporteur. Et dès que tu te téléportes, tu dois relancer ta grenade IUM pour éteindre le téléporteur. Et tu dois le faire en même temps que l'autre. Ah, tu vas me réexpliquer quand on va le faire. Je sais pas si tu vois le bordel. Et si on foire ça... Si on foire ça... Mais tu lâches une grenade en même temps. Tu dois lâcher ta grenade IUM. Faudrait que tu ailles voir sur YouTube. Tu lances ta grenade IUM sur le portail. Avant qu'elle explose, tu sautes dans le téléporteur. Et dès que tu arrives dans le téléporteur, tu lances ta grenade IUM pour désactiver le celui où tu viens d'arriver. Et tu dois le faire pile en même temps que l'autre. Vas-y, viens, on va fabriquer le jetgun. Et ça, c'est l'étape la plus dure du... Ouais, c'est l'étape la plus dure de ce truc. Et je viens de penser à un problème, c'est genre, si on se téléporte tous les deux sur le même lampadaire, on fait comment? Vas-y, va prends le jetgun. Bah, il se bourre que non. Putain, mec, j'ai trop peur pour la dernière étape. Ok, on a le jet gun. Bien, maintenant il faut retourner sous le putain de champ de maïs là. On va y retourner à pied. Ça, c'est les gens, ils vont rien voir sur la vidéo. Ouais, c'est ça. C'est un truc pas trop chiant, tu sais. Alors. Fais gaffe au bus. Ah, j'avoue. Ça va normalement arriver. Ouais, j'avais zappé. Donc en fait, tu vas lancer une UM. En même... bah, il est là, sur le côté. La vache. Et là, ça pue le zombie qui est derrière nous.
À tous les coups, ça me perd ça, mec. Donc, non. Je disais, ouais, tu sautes dans le portail, mais en même temps de lancer ta IEM, avant qu'elle explose, tu vas rentrer dans le portail. Franchement, faudrait que tu ailles voir sur YouTube si tu veux. Quand t'arrives à l'autre portail, tu la lances par terre. Ouais, mais direct, mais genre vraiment tout de suite. Sinon, t'éteins pas les deux en même temps. Donc, tu arrives, tu la lances par terre. Mais genre vraiment à tes pieds. Bien. Et si on foire ça, on doit attendre un mini sur Mac, donc on doit monter dans les vagues. Et après là, moi je suis encore plusieurs avec les bazookas. Allez, go. Non, mais ça, c'est la dernière étape, ça, les IUM. Ok. C'est la toute dernière étape. Mais je crois que Ristofen c'est le plus simple, Maxi c'est encore plus dur comme secret. Faudra qu'on essaye Maxi la prochaine fois. Oh. J'ai pas eu tapé un zombie moi. Moi j'ai tapé dedans mec. Non j'ai tapé mais genre il a quitté à côté mon mec. J'ai eu trop de chance. Ah ouais c'est pareil. Putain vieux réflexe de merde. Bon bah c'est là qu'il va falloir gérer. Hein. Parce que là ils vont arriver de partout sous la tour. Il faut rester sous la tour et les tuer au lance-roquettes. Et surtout pas mourir. Déjà faut trouver l'entrée du labyrinthe. C'est pas mal. Je crois qu'on l'a dépassé déjà. Non c'est bon, on l'a dépassé l'entrée, que demi-tour. Dégage de zombie. Ouais. Ouais, voilà, je peux. Ok, cherche une entrée à gauche. Elle est là, l'entrée. L'entrée, elle est au gros truc de là. Vas-y, go. Putain, y a le zombie qui est juste derrière nous, mec. On va se grouper, ok. On va où, là ? Je sais pas, je sais pas du tout. Tu vas au hasard. Tu vas au hasard. Oh, on y est ? Oui. On a réussi ? Là, là ? Ok, on y est. Faut que tu fasses tourner le zombie pendant que je fais un truc. Mais genre sors parce que sinon tu vas pas y arriver. Et tu fais bien tourner hein. Allez marche. Bien. Pourquoi ça marche pas? Quoi. Mais il a rien dit, il a rien dit. Allez, il parle. Tu l'entends parler? Ah oui, c'est toi qui l'entends parler. Oh putain, mec, j'ai eu tellement peur. Bah, tu le. C'est bon là? Il t'a dit tout son truc? Ouais, il a dit tout son truc. Hein. Il a dit il faut de l'énergie, machin. Ah bah, il a pas allé, il a gueulé quoi. Oh mec, j'ai eu trop peur. On a même pas vérifié au début de la partie si on avait ton mec. T'imagines, on l'avait pas eu. On aurait tout fait pour rien. Genre, je voyais le moment où on avait oublié une étape et qu'on avait tout fait pour rien. J'ai eu tellement peur, mec. Ok, donc maintenant, tu les as mis au lance-roquettes sous la tour. Oh putain, c'est horrible. Je vais prendre les dégâts de mes propres roquettes. Donc c'est bon, au moins il n'y a pas de sale bête sous la tour. Bien, tu l'es bien sous la tour. Hein. Et tu me dis quand il parle. Hein. Ok. Tu me dis dès qu'il parle. Vas-y, je l'ai fait tourner, tu l'es tu, vas-y. Non. Là il parlait là. Ouais mais il t'a dit il en faut encore plus, non. Putain, je suis bloqué. Je l'entends pas très bien, ma télé n'est pas bien. Deux accamés, après il a pas de gueule en fait. Ok, il y a un moment où il va te dire qu'il y a trop d'énergie et qu'il faut baisser l'énergie. T'écoutes ce moment, ok? Putain, c'est con, on aurait été mieux que ce soit moi le mec, comme ça on l'aurait vu sur la vidéo en fait. Fais gaffe derrière. Putain, bon, heureusement que j'ai amélioré le lance-roquette. Hein. Trop tard. Donc là en fait Richthofen il lui demande d'accumuler plus d'énergie vivante. Parce que le but du jet gun c'était de chauffer l'obélisque comme il dit pour apporter de l'énergie. Or il dit qu'il n'y a pas assez d'énergie et que donc il faut donner plus d'énergie.
Et pour donner plus d'énergie, bon bah faut buter des zombies avec des armes explosives, donc les démembrer. Il l'a toujours pas dit? Non. Je crois qu'il faut en tuer pas mal. Hein. Mais le chimon ça doit marcher au Reagan. Essaye pas. Ouais, j'ai pas trop. Écoute bien quand tu parles. Là il a dit trop d'énergie là. T'es sûr? Ouais. Sûr. Oui. Ah, il est d'accord avec moi. Oui, okay. Suis-moi, on sort. Et là, mec, si on se fait buter dans le labyrinthe, je vais rage. Mec, tu te souviens par où on est passé ou pas? Si c'est par là, je suis un dieu. Oui, mec, c'était là. Oui! Eh, c'est bon, t'as vu les lumières? C'est maintenant. Mec, il y a le bus! Bouge! C'est là l'étape finale. Tu les vois les lampadaires, ils sont en train de déconner complètement. Donc c'est maintenant qu'il faut les éteindre avec les IUM. Donc attends, on va aller en fin de vague, sinon on va jamais y arriver. Et c'est là qu'il faut pas faire de conneries là. Déjà il faut se séparer. Donc téléporte-toi, va autre part. Ah mais ça va pas annuler le truc si je me téléporte sans rien faire. Non, ça va rien faire. Vas-y, téléporte-toi. Voilà, c'est bon, là, je suis téléporté. Ok. Attends. Oh là, j'ai... Mec, j'ai le stress, là. S'il y en a un qui foire... Déjà, il faut qu'on... C'est bon, là, il y a aucun zombie. T'as aucun zombie sur toi? Non, j'ai aucun zombie. Ok, on va le faire. Vas-y, active ton téléporteur avec une sale bête. C'est bon, il est activé. Il est activé. T'es prêt? Attends. Attends. Tu me dis quand t'es prêt. Vas-y. Attends. Et attends, il y a zombie question. T'es prêt? Attends mec, il y a le zombie question, moi. Je sais pas si je le tue ou pas. Ok, je suis prêt. T'es prêt? T'es obligé de sauter dedans, tu peux juste t'avancer. Mec, j'ai dégoupillé mon IUM, je peux plus la relâcher. Fais vite. Vas-y, bah moi aussi. T'es prêt? On lance dans 1, 2, 3. Et on relance. T'as réussi? Ouais. Oh! On l'a fait, mon petit négro. On l'a fait. Du coup, t'as fait quoi? Du coup, on va où là? Bah, c'est bon, on a terminé, négro. Et voilà, les amis, on a terminé la tour de Babel. Regarde le ciel, mec. Regarde ces rayons dans le ciel, comme c'est beau. Il y a pas un... Tu les vois les rayons dans le ciel? Ouais. Et voilà, tu l'as eu le succès? Tu l'as ouais, eu le succès? 75. Nice. Et maintenant, logiquement, si on retourne sous la tour de Babel, et ben il y a des. Toutes les 10 minutes, il y a un bonus qui tombe, je crois. Allez, on va voir. Pour la peine, je me suicide dans le lance-roquette. Je suis un ouf. À la limite, on peut continuer pour prendre des points dans la banque si on veut faire Maxis un jour. Vu qu'on a des bons trucs là. Faut juste que bah, on coupe la vidéo du coup. Hein. Ouais, bah oui, pourquoi pas, ou alors c'est un bonus, mais je sais pas. Non, on va couper parce que là elle est déjà assez longue, je pense. Donc voilà, on a terminé le secret de Transit, la tour de Babel version Richthofen. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était cool, on était mal parti, on a réussi à le faire, on est content. Ah putain, il y a le FDP. Ah mais non, on a plus du même jeu. Réa 360. OMG. What? OMG. Oh mec, ce que j'avais fait. J'ai pas compris. Genre juste au moment où je t'ai ranimé, je suis mort. Putain, on était pas guin, n'empêche. On a réussi à pas trop monter ça. À la fin, on a bien tenu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo secret. La prochaine fois, on fera soit celui de Maxis, soit 1 à 4 avec... Optix et Wiz, j'espère que ça vous a plu. C'était Aeron et Valiverne. Tu peux dire au revoir Valiverne, vas-y. Au revoir. Hein, au revoir. Allez, ciao tout le monde. Ciao.